Alors, donc aujourd'hui, on est le mardi 20 juillet. C'est le grand jour, c'est le grand départ pour cette nouvelle édition. Donc, quelles sont tes trois émotions dominantes ce matin ? Alors, un peu de stress quand même. Stress d'oublier quelque chose, stress de... que je sais que ça va être long de la mettre dans le vent. Un peu beaucoup d'excitation aussi quand même. La troisième émotion. Je sais pas, entre tristesse de laisser Flika et un peu nostalgie. Aussi. Nostalgie de quoi ? Des années d'avant. Des années d'avant ? Ok. Super. Alors, deuxième question, rappelle-nous pourquoi cette édition est particulière pour toi. Parce que c'est la première fois que je fais avec Camille. C'est si simple. Oui. Ça paraît si simple dit comme ça. Alors là, tu as des questions personnelles de personnes que tu vas reconnaître. As-tu prévenu ta maman que tu partais pour un voyage extrêmement dangereux? Je crois qu'elle est au courant. Mais c'est bon, j'ai le numéro d'urgence. Ok. Et du coup, ta carte vitale est-elle bien à jour? Oui, je crois. Tu crois? La carte vitale, oui, si. Si, c'est bon? Oui. Bon, bah écoute, c'est parti alors. Go! Allez, en avant pour les Kirando. C'est parti. Thank you.
et ben vous voyez pas grand chose à part la nuit, des phares et une voiture qui ne semble pas être une petite Suzuki. Et pour cause, c'est que nous avons eu un souci en allant déposer le van à l'arrivée, tout simplement. Avec la voiture, la batterie s'est vidée et donc la voiture est au garage, voilà. Mais il n'y a pas de mal, enfin il n'y a pas de grosse casse puisque de toute manière Kali n'était pas dans le vent, donc de ce point de vue on était tranquille et là nous retournons seulement retrouver notre petite Kali et nous reposer avant d'attaquer notre première journée de rando demain. Voilà, quelle histoire ce début des kirando. Bon ben allez, hein, on a encore à peu près 3 bons quarts d'heure de route. Et puis après on dort. Allez, à demain. Alors, aujourd'hui c'est toujours la première journée. Le mardi 20 juillet soir, enfin bon, on est passé au lendemain, nous sommes le mercredi 21, il est minuit, enfin du coup, bref, très tôt le matin quoi, minuit 21. Et demi passé un peu. Voilà, donc du coup c'était la première journée qui était réservée au voyage, donc première question, comment s'est passé le trajet aujourd'hui? Le trajet s'est bien passé aujourd'hui avec Kaline. Bon, elle a mis un petit peu de temps à monter dans le vent, elle a mis une bonne demi-heure quand même, mais il y a du progrès par rapport à la dernière fois puisqu'elle avait mis une heure. Sur la route, aucun problème, on a mis à peine 4 heures, 3h45 pour aller de la Normandie jusqu'à Villandry. Et Kaline a été super parce que c'est la première fois qu'elle faisait un aussi long trajet et elle n'a pas bougé. Donc très agréable à conduire et voilà, on a eu un petit peu chaud sur la fin mais ça a été. Et puis Kaline était très bien en arrivant, on voit qu'elle avait eu un petit peu chaud mais elle était sèche quand même à l'arrivée. Donc c'était bien parti. Très bien parti. Super. Alors deuxième question, parce que tout le monde n'est pas au courant. Pourquoi faire des kirando? Est-ce que c'est uniquement pour le plaisir? Est-ce qu'il y a un enjeu sportif? Ou une autre raison? Pour moi? Oui, pour toi. Bah là, j'ai envie de dire pour me mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on va pas se cacher que c'est beaucoup trop tôt pour faire ce genre de truc avec Kaline. Mais à un moment donné, ben, faut y aller. Pourquoi faire ça? Bah, parce qu'on aime les challenges et la difficulté. Et parce que ouais, c'est un challenge et c'est tous les deux ans les kirando et c'était un projet pour moi depuis déjà deux ans, depuis la dernière kirando que j'ai faite avec Flika. La dernière kirando avec Flika, j'avais dans la tête d'acheter un cheval et qu'il soit prêt pour cette édition-ci, l'édition 2021. Donc voilà, là c'est un gros projet qui se concrétise puisque Kaline est arrivée fin 2019 et la voilà déjà prête pour ses aventures, enfin prête. Lancée en tout cas. Voilà, lancée pour ses aventures là. Prête, on verra ça, la suite nous le dira. Tout à l'heure. Dans quelques heures. Alors quels sont tes objectifs pour cet équirando? Me faire plaisir et juste bah, remplir en gros le contrat, mais maintenant on se mettra pas en difficulté et il existe plein de solutions et on est plein de ressources en cas de nécessité, donc si on arrive à aller jusqu'au bout ce sera formidable. Donc le contrat il est un peu évolutif quoi, tu t'adaptes? Ouais, il est évolutif mais j'ai confiance en moi et en ma jument. Super. Quelles difficultés particulières penses-tu rencontrer? Ben là, des problèmes de voiture. On a une petite mésaventure avec la voiture en emmenant le vent à l'arrivée. Donc ça nous a bien... Ça nous prend un peu de temps, mais rien de fondamentalement grave, donc c'est pas grave. Et quelles difficultés je peux rencontrer? Ben, des difficultés avec Kaline sur les portions urbaines parce qu'on va avoir un petit peu de circulation, on a des grosses villes à traverser avec des ponts, etc. C'est des choses où elle n'est pas du tout à l'aise. Des difficultés, j'espère pas, lors des bivouacs parce que ça c'est pareil, c'est pas une championne du respect des fils
et de sauter les films non plus, donc bon, on verra ça, et après les autres difficultés, ben, on s'adaptera. Il y en aura peut-être bien d'autres, mais on avisera, en tout cas, c'est, le but c'est 100% plaisir. Alors, quelles sont, à Caline et à toi, vos qualités qui vous seront utiles ou vos défauts qui pourraient vous desservir? Oula, on va falloir faire du temps, celle-là. D'accord, on commence par les qualités. Les qualités qui nous seront utiles. Alors, à chacune d'entre vous. On remarque que ça peut être une qualité ou un défaut, certains diront. Donc, pour ma part, je pense que je suis déterminée. Tant que je ne serai pas confrontée à un gros échec, je vais tout faire pour aller au bout de mon challenge. Je n'abandonnerai pas si facilement. Si j'ai essuyé toutes les possibilités et que ça ne marche toujours pas, bon bah là oui, j'abandonnerai, mais j'essaierai tout ce qui est possible de faire pour arriver au bout. Donc vraiment, voilà, la détermination. Et Caline, sa qualité pour réussir cette... ce challenge, c'est qu'elle est jeune, elle est en pleine forme et je sais pas, elle est assez facile au quotidien quand même. Donc j'espère qu'elle va se caler un peu sur moi et puis qu'on va développer notre relation. Je sais pas si c'est vraiment une qualité, qu'est-ce que je pourrais dire comme qualité, j'en sais rien en fait, je la découvre complètement dans cet exercice. Donc elle va sans doute me surprendre, mais on va dire oui, sa qualité première, c'est qu'elle est jeune et je pense qu'elle a de la ressource et qu'on ne devrait pas trop galérer à ce niveau-là. En tout cas, je ne suis pas du tout inquiète pour ça. Et elle est curieuse. Elle est curieuse, ouais. Elle a envie d'apprendre. Je pense que ça va lui plaire, cette aventure. Et puis, elle aime bien être avec les humains. Elle aime bien voir des nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, faire des nouvelles choses. Donc, pas de raison, ça lui plaît. Ok. Et alors, pour les petits défauts? Ah oui, les petits défauts, Caline est très têtue. Elle a son petit caractère. Donc si elle a envie de me dire flûte, là j'ai pas envie, elle le fera. Et moi les défauts, c'est que je suis obstinée. Parfois quand je suis fatiguée, que j'ai faim, que j'ai soif, je peux vite être pénible pour mes coéquipiers. Comme tout le monde. Mais je travaille là-dessus, du coup. Et voilà, est-ce que tu vois des défauts pour moi? C'est pas à moi de juger. Est-ce que ma coéquipière me trouve des défauts dans cette aventure? Donc, a priori, t'es parée pour ta première journée demain? On va dire que oui. Normalement. La suite des problèmes demain. Ok, bon. Et on va aller dormir sur ces dernières questions. Et on suivra la suite au prochain épisode. Bonne nuit. Bonne nuit.